Ah, nous sommes à Aga. C'est le château fort, le palais rouge. Nous avons visité le Taj Mahal ce matin et ce qu'on appelle le petit Taj. Et en dernier, on visite le fort rouge. Voilà le mur et l'entrée. Voilà la cour intérieure. Voilà, on voit quelques incrustations de pierre. Du marbre de lapis-lazuli. Pour tes bracelets. Moi, j'ai plein de trucs à la maison, hein, tant personne ne veut. Voilà, on est monté un étage et il y a tous ces bâtiments-là. On est sorti un petit peu du fort. Et je crois qu'on... ça donne accès à la résidence. Déjà vu hier à Osha, deuxième palais, le dernier. Mais les coupoles aussi, deux tours, deux côtés. Comme les dômes des mosquées, mais sur le sommet, vous avez l'ocus ajouté. Hein? Et après, il y a trois boulets. C'est comme ça, il mélange le travailler de les deux genres de travaux ensemble. Un goût et mon goût. Étoile David aussi. On voit le temple dans lequel Jehangir, enfant, se baignait. Il y a des décorations perses. Voilà une deuxième cour de la résidence de Jehangir. Pardon. Pardon quand même. Quelques détails. Il y avait des rideaux avec des mouches, comme les mouches à Voilà une niche, une des niches dans le palais de Jehangir. Les couleurs sont abîmées. Nous nous trouvons dans une cour intérieure. Voilà la vue sur le palais, une des entrées. Non, et avec ma caméra, à travers, je ne vois pas très bien. Voilà le Taj Mahal, entouré de murs rouges et le Taj Mahal qui est vraiment au blanc.
bord du fleuve Jamuna. Voilà, le fleuve Jamuna, qui est sec à cette période. Voilà le kiosque des femmes. L'image que vous voyez pas les couleurs, madame, c'est quand même, vous imaginez, regardez ici. Regardez. Ah oui, il y avait des... Il y a un peu de grâce. Le balcon était, le kiosque était coloré, rempli partout, avec les motifs comme ça. Chaque côté, vous voyez. C'est déjà prévu. J'ai plein de mancheté, ça m'est égal, j'aurais quand même essayé. Avec les coupons, et la kiosque est célèbre, historique. Ici, aujourd'hui, on ne peut pas rentrer parce que, évidemment, il y a une clôture. Avant, c'était ouvert pour le public, on a visité la pièce. C'est la pièce utilisée par le qualité de marbre. Le marbre depuis longtemps. Pourquoi il est utilisé le marbre aussi pour la marbre? Parce qu'avant, il est utilisé le marbre ici. Il n'y a beaucoup de marbre. Je vais regarder la vue derrière. À gauche, la tourelle. Et la ville. Le pont. C'est la célèbre. Jamuna. On utilise les Elle se met juste devant, cette bonne femme. On se trouve dans une autre cour, oui. Les singes là-haut. On arrive à l'endroit où il y avait des audiences privées.
private audience they are. Il y a un trône aussi, c'est pour le ministre. Et audience, c'était à l'extérieur. Et le roi se tenait dans. Nous sommes à Fatehpur Sikri, qui se trouve à 40 km d'Agra. Et nous sommes ici dans le deuxième fort construit par Akbar, qui a quitté Agra pour venir s'installer ici. Avec les familles, avec des femmes, avec des harems, avec les soldats. Et après 14 ans, il a changé l'allure. Représenter le système de la vie. Il y a par plusieurs... exemple, je vous explique les pas à pas. Et on va faire le tour comme ça. Mais commencer par la petite maison à droite, ça représente salle d'audience privée. Et... On a une colonne qui représente. Il avait l'activité rencontrer des ministres. Religions. Et après, il avait réputé, il avait 9 ministres qui toujours assemblaient. Pour, il a utilisé cette pièce. Il a resté avec, toujours gardé une distance entre les ministres et lui. Il y avait un astrologue. Voilà le pavillon de l'astrologue. Qui travaillait pour Akbar pour déterminer les dates. Voilà les trompes éléphants qui montent vers le ciel et qui se rejoignent. L'architecture hindoue. Voilà la bibliothèque qui est ouverte, mais il paraît qu'il y avait les portes. Et à l'intérieur, les étudiants travaillaient au rez-de-chaussée. Voilà un bras du jeu de Patissi. C'est le jeu musical. Akbar se mettait au milieu. Et il y avait des musiciens et les femmes étaient placées sur les pions. Et le jeu commençait. Et sculptait comme les miniatures. Voilà la maison du sultan turc, construit pour le sultan turc qui devait venir. Finalement, il n'est pas venu. Enfin, c'est la seule pièce qui soit décorée entièrement, tout le mur de haut en bas. Sur la colonne à droite, la première colonne à droite, elle est décorée de raisins. Voilà. Le travail du plafond. Voilà la grande cour. Avec une plateforme au milieu qui servait pour les musiciens, la récréation. Voilà le palais de la première femme d'Akbar, une princesse hindoue. Au premier étage se trouve une salle à manger et une pièce pour faire la sieste, climatisée. Le palais de la deuxième femme. What does that mean?
un autre palais qui se trouve à côté du palais de la deuxième femme, dans la même cour. C'est donc dans le palais de la troisième femme, en fait. C'est pas la deuxième, mais la troisième femme. Des peintures. Le palais de la première femme d'Akbar, qui était Rajput, donc hindou, qui a pu garder sa religion, qui n'a pas accepté de devenir musulman, et Akbar l'a accepté. Nous sommes dans une autre cour. Quelle architecture ! On retrouve un truc avec des pavillons. Comment éduquer et toute l'administration, il a vu par là. C'est pas dans sa vie. Ça, c'est le palais de la première femme, la cour et tous les bâtiments autour. Mosquée, où nous allons maintenant. Nous pénétrons dans la cour de la mosquée, encore entourée de quatre pavillons. C'est le mausolée de qui? De ce saint. Ah oui, c'est ce Sufi, le Sufi qui vivait ici. Le Sufi. Oui. Du 10e, 11e siècle. Akbar, qu'il allait avoir des enfants. N'empêche qu'il a des yeux extraordinaires. Il a des yeux de fête. C'est du marbre à jurer. On se va de l'intérieur vers l'extérieur, mais pas de l'extérieur vers l'intérieur. Elles accrochent des petits murs, elles ont fait un vœu et elles ont fait ça aussi. Avant, le mihrab à l'intérieur de la mosquée. Et depuis 200 dans le harem, il n'arrivait pas à avoir un fils. Quand vous passez de l'autre côté, vous allez voir. Pour entrer dans la cour de la mosquée, nous sommes passés par la porte de la victoire. La voici, qu'Akbar a fait construire. On est le 17 janvier et on voit en face là le palais du vent, le palais des vents. Construit pour que les femmes du Maharaja puissent voir la fête dans la rue. Thank you.
l'époque, l'été, ils venaient ici autour de l'Ifor, pour le Raja. Le palais d'été, qui est abandonné, aujourd'hui. Passer plusieurs jours ici. Rambak, l'autre côté. Oui. Faites attention si vous traversez les rues, regardez à droite d'abord. Fort Amber, là-haut, construit au XVIe siècle, au-dessus de Jaipur. Le palais. Après, il y avait le trésor qui était installé là-dedans. Voilà les éléphants, on va monter sur les éléphants pour aller monter vers le fort. Voilà la rampe pour monter sur les éléphants. Sans ça, oui. Je filme un peu le jardin là autour qui est très beau. Devant nous, Marie-Christine, Marie-Noël, Bernard et Jean-Pierre. Une porte plus forte, décorée. Et la peinture, les murs sont peints. Nous sommes dans Fort Amber. Et on est monté. On est dans la première tour. Ganesh. On voit la ville de Jaipur au loin, au pied. Une salle d'audience ouverte. Travail des plafonds. Ressemble beaucoup au Fort Rouge, construit par Akbar. Nous voilà derrière la porte de Ganesh. Ah, les jardins de Vilongri, non ? Oui, Daniel, voilà. Vilongri. Ah oui ? C'est décoré avec des petits miroirs. Thank you.
une porte du 16e siècle en bois de sandal et puis des incrustations d'ivoire. Qu'est-ce que c'est cette porte-là? C'est la porte des miroirs. Ah oui, c'est la porte des miroirs. J'ai filmé tout à l'heure d'en face. La voilà de près, décorée entièrement. Jaipur au loin, vu du palais. Le village d'Amber, en bas là. Ah bon. La cour de Jenana, dans le palais, qui était séparé du palais qu'habitait le roi avec sa femme.